Salut les filles, nous voici pour la minute mode. Donc la question c'est, s'habiller en fonction de son style de vie sans oublier sa féminité. Alors, il y a beaucoup de clients et clientes qui me disent, voilà, moi je n'ai pas le temps d'être mode, de faire attention ou d'être fashion. Alors moi je dis non, c'est des fausses excuses. Moi je vais passer des astuces pour que vous puissiez être mode et que ça rentre dans votre style de vie. Donc la première astuce, très facile, pour les filles qui marchent avec des talons de 4 cm, c'est super bien, mais moi je peux pas et il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps. Donc moi ce que je vous conseille, ce qui est à la mode, c'est pas forcément de porter des talons de 15 cm pour être féminine, c'est de choisir des chaussures qui ont des formes féminines, c'est-à-dire des formes pointues, ou même si elles sont rondes, qu'elles puissent être vernies, qu'elles puissent avoir une touche féminine qui correspond à votre univers, c'est-à-dire qu'en ce moment, les talons à la mode, c'est les petits talons carrés que tout le monde peut porter sans effort et elles font même pas 2 cm. Deuxième astuce, c'est dans les accessoires, les filles. Les accessoires, c'est hyper important, ça donne de la féminité, ça donne une touche aussi un peu plus soignée, du vernis, avoir des boucles d'oreilles, mettre du rouge à lèvres, même si on n'a pas le temps, on peut toujours mettre du rouge à lèvres, un peu de mascara, et ça prend juste une minute de faire ça, si on n'a pas le temps de se maquiller complètement, ce que je conçois tout à fait au quotidien. Donc voilà, et la troisième astuce, qui est à mon avis la plus importante, c'est la colorimétrie. Donc la colorimétrie, c'est incorporer les couleurs pour moi dans sa garde-robe. Regardez là, moi j'ai un pull qui met en valeur mon teint, qui donne de la luminosité, qui met de la bonne humeur, qui met de la joie. Et quand je me regarde dans le miroir, et ben, ça motive pour la journée. À chaque fois, même si j'ai un coup de pompe, je me regarde, je me dis ah bah ça va, je suis pas si fatiguée que ça, ou ah bah ça va. Donc ça me donne de l'énergie et tout de suite mon mental aussi change. Et même au niveau des accessoires, pour celles qui sont plutôt sombres et qui n'aiment pas du tout les couleurs dans les habits, ce que je peux concevoir, mais essayez d'en mettre au niveau de vos accessoires. Parce que regardez, moi là j'ai mis des boucles d'oreilles noires parce que j'ai mis un haut jaune. Essayez de compenser avec les accessoires du coup au niveau couleur, au niveau maquillage peut-être, au niveau rouge à lèvres, pour faire ressortir un peu votre teint. Ce sont les 3 astuces pour incorporer ce côté-là mode ou féminin à votre style de vie au quotidien sans se prendre la tête. On se voit la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions sur Instagram ou sur mon Twitter. Je vais vous laisser mon Twitter en bas ou juste là sur l'écran. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne et à aimer si vous avez aimé la vidéo et à poser des questions si vous en avez besoin. Allez, bisous les filles. Bye.